really got you good. No worries, just, hang in there for a second. There! Good news. Your armor kept you mostly in one piece. So, quick update. This isn't a simulation. We're really on a ginormous spaceship. And the ship's being taken over by... Now what are you two little gnats up to? This is to be mine. The first of me. Okay, time to get away from all these tentacles and prying eyes. This might feel a bit weird. Et bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Ark. Donc aujourd'hui en fait on va faire une série sur le nouveau DLC de Ark. Donc c'est Genesis partie 2. Donc on va faire en fait une petite série où on va partir de rien. On va construire notre base etc. On va essayer de survivre et de finir la map en faisant les boss de la map. Et en ayant tout réussi, les défis etc. Donc j'espère moi que cette nouvelle aventure va vous plaire, en tout cas moi elle me hype à fond. C'est vraiment un DLC que j'attends depuis longtemps ce jeu là, je l'ai fait de long en large et en travers. Si jamais vous ne connaissez pas ce jeu, c'est un jeu de survie où sur chaque map en fait on va spawn avec rien du tout. Donc là pour ce DLC là on spawn directement avec une armure tech, donc je trouve ça un peu cheaté pour un début, mais ça va aussi avec la cinématique de début où on voit en fait qu'on était déjà dans un vaisseau spatial. Donc ensuite on se retrouve du coup sur une map où le but va être de survivre et surtout de survivre en milieu hostile, car en fait on spawn sur une map remplie de dinosaures qui vont de passif à agressif. Donc le but ça va vraiment être de survivre, d'apprivoiser le plus de dinos possible pour réussir à battre les boss de map. Et pour finir aussi, tout simplement, la map. En tout cas, on va se dépêcher tout de suite à commencer à farmer pour faire notre première petite cabane. Et on va lancer cette aventure. En tout cas, moi je suis hyper content, je suis ultra hypé en fait par nouveau DLC. J'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes. En tout cas, tout de suite, on va récupérer un peu de ressources en tapant les bras à main nue. Parce que forcément... on arrive, on n'a rien, donc pour le moment, on n'a pas de ressources sur nous, on n'a pas de matériel, donc il va vraiment falloir tout apprendre. Donc là déjà, on va commencer par taper un petit peu les arbres pour récupérer du branchage, du bois. Si on arrive à trouver, ce serait récupérer, voilà, un peu de pierre au sol. Voilà, hop, comme ça on va pouvoir commencer en fait tout de suite à débloquer... du coup des points d'engramme. Donc là on va passer nos niveaux. Ah oui, donc là vous pouvez voir que je suis déjà niveau 13. Donc j'ai l'impression que cette map est assez boostée. Alors il faut savoir que j'ai un peu changé certains paramètres, car je suis en mode solo hein. Bien sûr je suis pas sur une map multijoueur, donc je serai tout seul pour cette série. Et j'avais mis en x2, mais ramasser 3 cailloux et taper 2 arbres est déjà au niveau 13, ça fait peut-être beaucoup, donc peut-être que je vais réduire ça à 1,5. En tout cas, tout de suite, le premier truc à faire, ça va être de dépenser mes points dans le poids un peu, pour augmenter mon poids, pour forcément pouvoir transporter plus facilement. On va augmenter un petit peu mes points de vie et mes points de dégâts. Voilà, et donc là, une fois en fait qu'on a attribué tous nos points, on arrive ici. Qui est en fait notre onglet de points d'engramme. Donc ici en fait ça va être des petites cases à apprendre qui vont nous permettre en fait d'apprendre différentes technologies et de savoir-faire en fait pour survivre sur cette map. Donc là nous forcément on est niveau 13, donc on n'a pas grand chose. Donc déjà de base on nous débloque une note, une pioche et une torche. Donc moi maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer le feu de camp, la hache en pierre et la lance en bois. Tout simplement parce qu'en fait la pioche et la hache vont me servir à farmer les ressources. La lance pour me défendre et le feu de camp car il va falloir que je me nourrisse. Car ici en fait, ici on se retrouve avec une petite barre de nourriture et si elle arrive à 0, on perd des points de vie. Et si on perd tous nos points de vie,
on meurt. Donc on va débloquer aussi la gourde en pot pour récupérer un peu d'eau. Et on va débloquer déjà quelques infrastructures, la caisse de stockage. Hop. Voilà, une petite lance-pierre, le mortier pilon avec la poudre étincelle, les narcotiques, la longue vue qui va être très utile, le petit lit, les bolasses, forcément. On va faire l'arc et les flèches en pierre. Et pour le moment, on va se contenter. Ah, on va peut-être s'y débloquer les fondations en bois. Bon, il ne me reste plus beaucoup, donc on va commencer à apprendre en fait la technologie du bois. Voilà, donc là maintenant on pourra plus. Voilà, maintenant on a appris en fait, on n'a plus d'engrammes. Donc qu'est-ce qu'on a appris? On a appris de quoi farmer un peu les ressources, on a appris de quoi manger pour survivre, on a appris de quoi faire des lits pour pouvoir en fait, si jamais on meurt, on peut respawn en fait là où on a nos lits. Et on a appris à faire déjà constructions de base, donc en chaume et un petit peu en bois. Ensuite, le mortier pilon, c'est tout simplement car on aura besoin de faire des narcotiques. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais pour tamer en fait des dinos. La longue vue pour pouvoir voir un peu les niveaux des dinos en étant assez loin pour pas se faire tout de suite aggro et attaquer. Les bolasses, car ça va bloquer en fait toutes les créatures bipèdes qui sont de taille petite à moyenne. L'arc et les flèches pour nous défendre. Et forcément, les structures en bois pour construire des structures plus résistantes. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a débloqué un peu tout ça, on va tout de suite aller dans les schémas. On va aller dans communes, dans les mêlées. On va débloquer du coup la pioche en pierre. Et donc du coup, pour en fait farmer les ressources suivantes, il va nous falloir en fait du silex. Et le silex se fait qu'avec la pioche en pierre. Donc voilà, on va ramasser un peu de silex. Maintenant que le silex est ramassé, tout de suite, on va se construire une torche et une hache. Et là, il nous manque quoi? Il nous manque des fibres pour faire ça. Ok, donc là, ici, on va mettre la torche là. Là, hop, voilà. Donc là, déjà, on va pouvoir commencer à farmer un peu. Donc, pour ramasser de la fibre, c'est simple. Il faut aller dans tout ce qui est un peu buissonneux et spammer la touche de récolte pour récupérer, en fait, des petites baies qui vont nous permettre en fait de nous nourrir pour le début. Et en plus de ça, de ramasser des fibres qui vont nous permettre de crafter en fait la lance pour pouvoir nous défendre. Donc il faut savoir ici que j'ai spawn en fait sur un coin qui est normalement en facile. Par contre, si j'aurais choisi un endroit medium, hard ou very hard, c'est sûr que là ça serait beaucoup plus dur de survivre. On va plutôt commencer ici en mode facile, forcément, hein, on va pas chercher midi à 14h. En plus, je trouve assez sympa la map quand même. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Bon, dommage les structures métalliques, mais bon, ça fait partie du DLC, hein, qui, il faut savoir, en fait, c'est une arche qui a été construite, en fait, pour la sauvegarde, pour la survie en fait. Et puis forcément, bah, comme vous avez pu voir, Requel, une créature qu'on va devoir affronter en fait, est en train d'essayer de prendre possession de cette arche. Donc on verra par la suite comment ça se débrouille. Et si jamais vous ne savez pas ce que c'est ce petit robot qui me suit, en fait c'est Elena. Donc Elena en fait va nous aider pour cette aventure. Elle va nous donner des informations à des endroits, elle va nous donner des petites astuces de temps en temps, et surtout en fait, si on fait échanger en fait des hexagones, à dépenser, vous voyez en fait on va pouvoir acheter différentes ressources, voire des petits coffres à butin, ou voire même des points d'engramme. Donc il faut savoir en fait que Elena, du coup, elle te demande d'avoir des hexagones. Donc les hexagones, comment ça se débloque? C'est en faisant des missions. C'est un peu comme Genesis partie 1. On va avoir des missions à faire qui vont nous donner en fait des hexagones. Et grâce à ces hexagones là, on va pouvoir réclamer en fait des ressources. Si jamais, je sais pas, vous êtes à un endroit, vous avez besoin de métal pour faire réparer votre armure, hein, par exemple, vous pouvez pas faire de métal parce qu'il faudrait aller avoir pas forcément un ankylosaure, mais un dino. Pour aller farm le métal, il faudrait le faire fondre pour ensuite en faire des lagos, et ça prend beaucoup de temps. Et ben là, vous avez les hexagones, paf, tac, je prends, je dis la quantité que je veux et j'achète.
Donc ça, je trouve ça assez sympa d'avoir en fait un petit menu comme ça qui te permette de récupérer des ressources. Alors, c'est sûr que pour ça, il faut participer aux missions. Donc ça te permet aussi d'avoir plus de... Pas plus de contenu, mais plus de choses différentes à faire. Mais en même temps, c'est un peu cheat. Je vais pas vous le cacher parce que Ark, normalement, c'est vraiment du farm, farm, du farm, du farm. Et le fait d'avoir Elena, forcément, bah t'as moins besoin de farmer. Parce que si jamais t'as vraiment besoin, hop là tu prends, tu achètes, etc. Enfin bref. Donc voilà un peu pour la présentation de Elena qui va nous être très utile Tu quand sais même que sur cette regarder, hein. aventure. Et comme vous pouvez voir, elle nous parle de temps en temps. Donc nous on va continuer à crafter du coup notre équipement. Donc là on voit ici qu'on peut fabriquer une lance, mais qu'il va nous manquer du coup du bois en fait pour continuer à fabriquer d'autres lances. Donc tout de suite on va aller au niveau des arbres là-bas, on va les taper un peu pour récupérer du bois et crafter encore plus de lances. Et ensuite on va explorer un peu le fond de la map. Et voir un peu quel timing je vais pouvoir faire au début. Donc là l'objectif ça va être vraiment de construire un abri déjà. Ensuite, une fois que l'abri sera construit, ça va être de tamer nos premiers dinosaures. Et ça serait bien que j'arrive à le faire en ce premier sur cette première map. Sur cette première épisode, pardon. En tout cas, là, on a fait du coup nos petits pics. Donc on va les mettre ici pour se défendre. Alors, forcément, j'ai déjà l'arc. Donc on va déjà prendre l'arc ici. On va voir ce qu'il faut pour faire des flèches. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai de quoi faire des flèches. On va en faire 50. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir en fait partir à l'exploration. On aura du coup... on a une pioche, une hache pour faire le farming. On aura un pic en bois et un arc pour se défendre. Et si jamais il fait nuit, on aura une lampe torche. Donc là, on va monter un petit peu nos points dans les dégâts. Et on va prendre quelques petites améliorations de nouveau. Donc là, on va continuer. Ça, on s'en fout pour le moment. Donc là, on va continuer en fait à débloquer nos structures en fait en bois. Car si on arrive à faire tout de suite une petite structure en bois, ça serait plutôt sympa. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait l'armure tech. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a un petit Triceratops. Donc c'est une créature qui est en fait passive, mais à partir du moment où on va l'attaquer, elle va devenir agressive. Donc généralement c'est ce que vous trouverez en majorité en fait sur cette map, c'est-à-dire des dinos passifs, mais si on les attaque, ils vont devenir agressifs. Donc là forcément le fait d'avoir l'armure tech en fait dès le début et en plus de ça qui ne consomme pas de points d'engramme. Là, ça va être un petit cheat qu'on aura en plus. Donc là on peut voir vraiment la map elle est assez grande et là encore c'est qu'une première partie. On va aller là-bas au niveau en fait du beacon et on va voir un peu ce qui nous réserve comme surprise. Voilà. Donc là qu'est-ce que... Alors là on a déjà beaucoup de pétrole. Armure en chitine. On aura une fondation en argile, du pétrole et de la soie. Donc en fait d'avoir l'armure tech au début, je trouve que l'XP et les ressources se débloquent assez rapidement. Bah les beacons sont assez cheatés aussi parce que normalement jamais jamais on est censé en fait avoir autant de ressources dès le début dans les beacons. Donc c'est un petit cheat je trouve, mais bon c'est comme ça, c'est la map qui le veut. Donc voilà, donc là on voit ici qu'en fait on est dans une espèce de plaine ici, une petite plaine un peu montagneuse où on va retrouver du coup pas mal de petits dinos. Donc nous on va essayer d'aller là-bas en fait au niveau du beacon, on va essayer de voir un peu ce qu'il y a là-bas. On va avoir, alors c'est pas les Arfangs des neiges, c'est un spécial pour Genesis partie 2, donc c'est des espèces d'Arfangs en fait qui apparaissent. Un peu partout sur la map, là-bas on a des scorpions, là-bas on a des stégosaures, donc c'est un peu plus dangereux par là-bas. Donc on voit vraiment que j'étais vraiment en zone safe au début avec mes triceratops, mes parasaures, etc. Et que là forcément dès qu'on recule un peu, on s'aventure un peu plus loin, on commence à avoir un peu les dinos un peu plus costauds.
Alors j'essaie un peu de regarder en même temps un peu ce que je peux trouver, ce que je peux voir. Et j'ai pas l'impression de trouver du métal, donc à voir où est-ce qu'on va pouvoir trouver ça. Donc là, vous voyez, cette créature-là est une des nouvelles créatures de Genesis partie 2. Donc je pense que cette créature-là va être assez intéressante à tamer, étant donné en fait que ça, si j'ai bien compris, ça va être une créature utile pour la reproduction et surtout l'élevage de nos petits. Donc on verra quand on aura le niveau requis pour tamer cette créature, mais je pense que ça va pouvoir être sympa. Ça va changer un peu de la façon habituelle de faire. Donc on verra tout ça bien sûr dans les prochains épisodes. Je vais vraiment essayer là de faire un premier épisode un peu exploration. Ici on a notre petit stégosaure tech. Donc là, comme moi je disais, notre but là, ça va être un peu d'explorer la map, construire notre base et essayer de tamer, pourquoi pas, un triceratops. En fait, qui va nous permettre de farm beaucoup de ressources assez rapidement. Et là, comme vous pouvez le voir, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais au niveau là, de ma petite croix de visée, là où je voulais aller, c'est rempli de raptors. Donc, ben là, regardez, il s'attaque là ici au pteranodon. Donc là, vous voyez, c'est tout plein de raptors. Donc on va essayer de les esquiver car s'ils nous attaquent, en fait, ils vont nous mettre très très cher car c'est forcément une créature agressive. Ah ben voilà, je me demandais où est-ce qu'il y avait du métal. Et bah ici, dans cette zone, en fait, entre les deux montagnes, on a du métal. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors là, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas si vous avez vu, mais en bas de mon écran, il y a une créature qui est passée à toute vitesse. Voilà, donc là, le but, ça va être d'aller au Picon et de voir un peu ce qu'il y a dedans. Ok, donc là, on va avoir une lance en métal, de la poussière d'éléments, des gemmes rouges et des trappes en argile. Ok, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un très bon début. Allez, donc on va retourner là où on était au tout début. On va commencer en fait à crafter une petite maison et pourquoi pas du coup commencer un premier timing si on peut le faire. Et donc là, on va se retrouver ici là où on était au tout début, où on va essayer en fait de se faire une petite base. Je pense que je vais la faire. Alors, regardons un peu tout ce qu'il y a autour. Est-ce que, en fait, il faudrait du coup un endroit assez proche de l'eau. Donc, par ici. Ici, ça peut être pas mal. Mais d'un autre côté, il faut aussi que ça soit assez plat. Et j'ai l'impression que par là, ça pourrait être pas mal. Donc, ça, c'est Dilo. Plocus ou un truc du genre. Donc là, on va voir un peu ce qu'on a par ici. Ici, ça peut être pas mal, hein. C'est bien plat. On va pouvoir commencer une première base ici, je pense. En plus de ça, ici, on aura. Oh. This looks like a journal entry from the shipboard database. Huh. Could be an interesting read. I found some harmless-looking sims in the Genesis file base that interface with the shipboard functions. They're the perfect way to sneak you into the mainframe, so you can retake control of this ship. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir en fait des dino-dossiers, des archives, etc., des notes d'explorer à trouver en fait partout sur la map. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est en anglais. Il n'y a pas eu encore la traduction en français. Mais en gros, en fait, chaque note qu'on va récupérer, elle va en fait raconter l'histoire de comment ça se fait. Par exemple, ici qu'on voit un personnage récupérer un casque tech. Donc je pense que ça explique un peu la tenue tech en général. Donc ça va être sympa. On pourra se faire en fait un petit rush de notes aussi sur un épisode. En tout cas, pour le moment, comme dit, ce n'est pas le but. Clairement, le but là, c'est d'explorer et d'être autosuffisant déjà pour commencer. Donc là, ici, on va voir un peu ce que c'est. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc ici, en fait, c'est une station de mission. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a tout plein de missions
Alors elles sont à chaque fois 3 fois parce que tu as une version gamma, bêta, alpha, donc facile, moyen, très difficile. Et ces missions-là, comme je vous l'avais dit, c'est ce qui va vous permettre en fait de récupérer des récompenses, donc des hexagones. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ces missions-là qui vont nous permettre en fait d'utiliser Elena. Donc on va pas les faire tout de suite. Pour le moment, comme dit, on va se concentrer sur la fabrication de notre première base. Donc je pense que cette petite île, alors maintenant faut voir si on peut construire ici. C'est pas dit à cause des structures qu'il y a du jeu, mais on va regarder ça tout de suite. Donc là on va farm un peu de bois, un peu de pierre, un peu de branchage. Et puis on va regarder un peu quelques fondations. Et commencer notre première base. Alors l'un des avantages en fait de la tenue tech. Ok, non j'ai rien dit. Alors, schéma. Donc là maintenant on va aller dans les structures, bois. Fondation, ok, je peux en faire qu'une. C'est quoi qui me manque? Ouais, bois, il manque bois, surtout. Ok. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu, ici vous voyez deux petites flèches violettes avec un compteur en dessous. C'est un multiplicateur en fait d'XP. Du coup en fait on va avoir l'XP multiplié tout le temps de ce décompte, de ce cooldown. En fait on a un petit multiplicateur d'XP à chaque fois qu'on ramasse une note. Ce qui va nous permettre en fait sur ces secondes là de doubler notre expérience récupérée. Donc ça peut être sympa pour le début pour essayer de monter nos niveaux assez rapidement. Mais c'est vrai que on fait rarement un rush de notes en mode PvE, hein, c'est vrai, en mode PvP oui on va le faire pour avoir le niveau 100 le plus rapidement possible pour débloquer le tech, mais c'est vrai qu'en PvE on est un peu plus tranquille et on y va un peu plus progressivement, donc on va pas faire un rush note pour augmenter notre expérience. Et donc voilà, regardez ici, on peut voir ma petite cabane qui a été faite. Elle est construite, tout est bien. Donc là, forcément, je l'ai fait en bois avec un petit toit en chaume. Parce que je trouve que le petit toit en chaume, c'est assez sympa avec une petite cabane en bois. Ça fait un peu... c'est un peu fait cabane à l'ancienne. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, en fait, ça va être de tuer un peu tous les petits dodos. Donc comme vous pouvez voir ici, enfin petits, les gros poulets là que vous voyez ici se promener. Qui sont inoffensifs. On va en fait les tuer tout simplement. Alors si je le vise, oh là là, ah, c'est bon. La reprise de arc est assez compliquée, hein. Donc là maintenant le but ça va être avec la hache de taper dessus pour récupérer en fait de la peau et de la viande. Bon la viande c'est pas trop ce que je recherche tout de suite, mais surtout de la peau. Car il nous faut en fait beaucoup de peau pour pouvoir fabriquer notre lit. Après on fabriquera du coup des armoires de stockage. Et on aura du coup une première base pour commencer en fait cette nouvelle aventure Ark. Hop là il est là, je l'avais bien entendu. Comme vous pouvez le voir hein, il nous attaque pas hein, c'est vraiment des créatures dociles qui se défendent en fait jamais. Mais par contre une fois que vous les avez tamés, il est possible de que vous les entraîniez, enfin que vous les entraîniez, que vous leur montiez les dégâts et que vous en fassiez des dinos d'attaque. Mais autant vous dire que c'est pas là où ils excellent le plus. Les dodos en fait sur Ark ils servent surtout à la production d'œufs comme des poules en fait. Et ce qui va vous permettre en fait de faire des kibbles. Donc des kibbles c'est quoi? C'est des petites croquettes que les dinos raffolent. Et en fait le fait d'avoir des kibbles, on tame plus vite en fait. Et surtout on a besoin de
moins de nourriture en fait pour tamer les dinos. C'est-à-dire qu'une kibble par exemple va remplacer 3 morceaux de viande par exemple. Donc c'est des trucs comme ça qui vont vous permettre en fait d'accélérer. Mais forcément, ça prend du temps à faire toutes les kibbles. Ça se fait pas en fait. Ça se fait pas en fait rapidement. Hein. Il faut vraiment beaucoup de temps. Il faut se faire une petite ferme entre guillemets à œufs. Et après, bah forcément, une fois que vous avez assez d'œufs et que vous avez les autres ingrédients pour faire les kibbles, bah vous pourrez en faire à foison. En tout cas, pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. Pour le moment, c'est clairement de récupérer les ressources pour aller farm notre petit lit. Car une fois que notre base est opérationnelle, le premier truc qu'on va faire, c'est tamer un Triceratops. En fait, je décide de m'attaquer en fait à un stégosaure tout simplement parce que bah, les dodos et tout ça me rapporte pas assez de niveau. Donc là, je décide de m'attaquer à un stégosaure grâce à mon armure tech hein, parce que forcément sinon je me serais pas attaqué. Mais tout ne va pas se passer forcément comme je veux parce que comme vous pouvez voir, le stégosaure arrive quand même facilement à me faire beaucoup de dégâts. Mais c'est pas grave, je décide du coup de planer un peu ici et de lui mettre en fait des flèches. Mais le problème c'est qu'il bouge tellement que c'est assez dur en fait de venir le toucher en fait avec mes flèches. Et en plus de ça, mes flèches ne lui font pas beaucoup de dégâts. Car les stégosaures, il faut savoir que ce sont des créatures qui ont une résistance énorme et surtout beaucoup de PV. Donc c'est assez dur de les toucher. En plus de ça, je n'avais pas fait gaffe. Mais c'est un stégosaure qui est plus haut que le level 100, donc ça va être très très dur. Ici on voit que j'ai failli mourir une nouvelle fois. Je vois qu'il est un peu bloqué, alors du coup je décide ici de lui lancer mes flèches en restant sur cette petite plateforme. Je vois qu'il n'arrive pas à monter dessus, mais comme je lui fais pas beaucoup de dégâts, je me dis allez hop, j'essaie avec mes lances. Mais mes lances ce n'est pas plus prolifique non plus hein. On voit que je lui fais très peu de dégâts, alors du coup là je décide de manger un peu parce que forcément je suis en train de mourir car il me reste plus beaucoup de PV. Et là du coup je décide quand même de continuer à l'arc. Mais c'est vraiment compliqué parce que comme vous pouvez voir il bouge beaucoup. Donc c'est assez compliqué de bien lui viser la tête pour lui faire plus de dégâts. Et en plus de ça il est un peu bugué forcément à cause du bord de la falaise. Mais on voit qu'il commence à bien saigner, donc je sens qu'il est bientôt à la fin. Et là du coup il repart, donc je pense qu'il est presque KO. Donc là j'arrive plus à le toucher avec mes flèches, je décide de prendre une charge, hop là, et de le taper et de faire des allers-retours comme ça grâce à ma supercharge. Et essayer de le mettre KO pourquoi pas comme ça. Mais comme vous pouvez le voir ici en fait je me suis retrouvé bloqué grâce à un coup de queue qu'il fait et qui te bloque. Et donc là on respawn vite fait. Et en fait là où je suis un peu déçu, c'est que j'ai remarqué qu'on respawn avec la tenue tech. Donc ça veut dire que ça va être vraiment très très simple ici de survivre. Car à chaque fois que tu meurs, tu auras de nouveau une tenue tech. Je trouve ça un peu dommage car du coup ça rend le jeu un peu trop simple. Mais on sait comme le jeu peut être complexe aussi à des moments, donc ça pourrait nous aider grandement. Et là on voit en fait que je me fais de nouveau bloquer par cette attaque spéciale qui te vide en fait complètement de ton énergie. Donc ça s'annonce encore un peu compliqué pour le mettre KO. Mais c'est pas grave, on va quand même s'en sortir je pense. Il faut juste essayer en fait de lui mettre des charges, mais pas de rester bloqué comme là je viens de faire. En fait il faut vraiment que j'essaie de l'effleurer, comme ça je continue mon tout droit. Ici on voit que j'ai réussi à lui mettre un double 120, mais il m'a de nouveau bloqué. Je pense que dans pas longtemps il va vraiment mourir. Et là je décide du coup de charger en fait mon coup de poing, et hop là il est mort, ça y est, enfin on s'en sort. Et donc voilà quoi, donc là on vient de battre un stégosaure assez compliqué quand même mine de rien, car le stégosaure est une espèce assez cheatée sur le jeu avec une résistance et des PV de malade. C'est l'une des créatures herbivores je dirais les plus costauds. Mais bon, on a quand même réussi à venir en bout, il a fallu quand même qu'on meure. Et d'un autre côté, de toute façon je voulais aussi mourir car je voulais voir comment ça se passait en fait. Quand on mourait, est-ce qu'on vous revenez tout nu, et j'ai l'impression en fait que on a en fait tout le temps la tenue tech. Tu meurs, tu reviens à la vie, bah t'as la tenue tech. Je trouve ça assez dommage car c'est, de mon point de vue, trop cheaté je trouve. Là en fait, vous avez bien vu, on est au début, j'ai l'armure tech, je peux mettre des coups de poing, je peux prendre l'hyper vitesse, je peux planer. Je trouve ça assez cheat et en même temps dommage en fait pour un début de game. Mais bon, c'est...
C'est comme ça qu'ils ont voulu la faire. Je pense que d'un autre côté, ils se sont dit que comme le jeu est quand même sorti il y a déjà un petit moment, que tout le monde connaissait le jeu, et du coup ils ont fait un truc pour qu'on puisse avancer plus vite dans l'histoire. Je sais pas trop vraiment, mais je trouve ça vraiment un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, comme dit, ça va pas enlever au fait que je kiffe vraiment ce jeu et que je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu et à ce DLC surtout. Donc là maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crafter de quoi faire, voilà, un mortier pilon. Pourquoi? Pour nous permettre en fait de tamer plus facilement notre tricératops. Et en fait, si on a un dino qui va nous faire un gros farm de baies, on va pouvoir faire encore plus de narcotiques, donc encore plus de flèches narcotiques. Et grâce à tout ça, on va pouvoir commencer en fait à lancer le tam. Il faut savoir que le parasaur et le tricératops sont vraiment les deux créatures à privilégier en début de game. Et donc là, on va se retrouver en fait un peu plus tard. Nos narcoberries sont prêts. Donc là maintenant, on va en fait lancer le craft des flèches tranquillisantes et on va aller se lancer dans le timing du tricératops. Et donc c'est parti, là on se retrouve du coup ici pour tamer notre premier tricératops. Donc là, attention à sa première charge, donc j'ai pas eu le temps en fait d'utiliser ma tenue tech. En fait, j'étais vraiment très lent par rapport à ce qu'il m'a chargé. Donc par chance, heureusement, il m'a pas fait beaucoup de dégâts. Je pensais ici en étant au-dessus et qu'il pourrait pas me toucher et faire comme j'avais fait avec le stégosaure. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, je prenais des coups. Ensuite, du coup, bah forcément, on a vu mon arc qui a cassé car je n'avais pas fait gaffe à la durabilité. Et forcément, le stégosaure m'a beaucoup abîmé, en fait, mon arc, forcément, quand je l'ai utilisé. C'est pas grave, on va le réparer. On va craft une deuxième arme au cas où que la première ne suffit pas. Mais je pense que comme il faut à peu près une quinzaine de flèches tranquillisantes pour l'endormir, je pense que mon arc suffira. Mais on sait jamais, je préfère quand même en faire un deuxième. Ça m'évite de perdre du temps sur les allers-retours. Donc là, on va retourner du coup au niveau du Tristeratops. Donc faut essayer de retrouver déjà où il est à peu près. Je sais qu'il est dans cette zone. Il est... Donc là, on le retrouve plus. On sait qu'on était ici sur le talus. Et là, on va le voir en fait qu'il est juste ici, un peu plus bas. Donc là, on l'a retrouvé. Ça y est, on va pouvoir finir du coup ce timing. Donc on décide un peu de voler. Forcément, on a la tenue tech. On va en profiter. On lui lance toutes les flèches jusqu'à ce qu'il fuit. Et dès qu'il sera en mode fuite, donc là vous voyez, il est déjà en mode fuite, je trouve ça assez bizarre, car il est en mode fuite assez rapidement. Alors est-ce qu'il part pas justement pour essayer une charge? Je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que là pour le moment il est en fuite. Attention, là il revient vers nous, mais voilà, c'est exactement ce que je pensais. Tout de suite en fait, il est revenu sur nous. Donc là on va continuer du coup à lui lancer du coup des flèches jusqu'à l'endormir. On voit ici qu'il est vraiment en fuite, et là hop, il est couché, il est endormi. Et voilà, donc là maintenant on va lui mettre du coup les petites baies dans son inventaire. Forcément l'apprivoisement va se faire rapidement car je suis en x10 il me semble, si je me trompe pas. Donc voilà, ça se fait assez rapidement. Pourquoi en fait j'ai autant accéléré le timing, etc. C'est juste pour qu'on puisse tamer assez rapidement et que ça me prenne pas des heures d'enregistrement pour rien. Donc du coup j'ai préféré augmenter le timing et la reproduction. Donc voilà, donc on a notre premier dinosaure, ça y est, enfin on a réussi du coup notre premier timing. Maintenant on va aller lui craft une petite selle et craft quelques baies pour voir un peu ce que ça vaut. Et donc voilà, on se retrouve au niveau de la petite cabane. Du coup j'ai farm mes petites baies, et comme vous pouvez le voir, juste sur le chemin en fait pour aller de là où il était, où je l'ai tamé, jusqu'à la maison, j'ai quand même récolté beaucoup de narcoberries et de méjoberries. Mais pour le moment c'est surtout les narcoberries qui vont nous intéresser. On va les prendre et on va aller les amener tout de suite en fait dans le mortier pilon pour faire en fait plein de narcotiques pour qu'au prochain épisode on fasse un épisode timing. Donc voilà, donc là on met tout ici, on va du coup lancer nos narcotiques. Donc là on voit ici qu'en faisant le maximum on arrive du coup à plus de 200 narcotiques, donc c'est plutôt pas mal. Ça va nous faire quelques petites flèches et on va pouvoir tamer du coup les prochains dinos qui seront utiles pour ce début de jeu. En tout cas voilà pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi il m'a vraiment très plu à tourner, j'ai été heureux de le tourner. Si il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me parler un peu de cette map et surtout de... Vous pouvez vous moquer de moi pour mon échec avec le stégosaure, il n'y a pas de souci.
Et si jamais vous voulez suivre la suite de cette série sur Arc Genesis Partie 2, car effectivement je vais faire une série entière sur cette map, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre en fait la suite de cette aventure. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas les seuls contenus qui arriveront dans les prochains jours. Il y aura plein de contenus qui vont arriver, que ce soit sur Arc ou sur d'autres jeux. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en tout cas, bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!